Voilà, on retrouve juste à la sortie de ce de double match de l'ATH face à La Rochelle un invité de Marc. Merci Luc Avalo. Bonsoir. Bonsoir. Luc, qui euh, nous fait l'amitié de nous dire quelques mots après ces, ces doubles matchs. D'abord, euh, bah, ici à la maison du handball, voilà, on se croise. Tu es avec ton club de Veron ici euh, sur quelques jours Oui, c'est ça. On est là pour, euh, pour préparer le match contre Paris qui qu aura lieu mardi. Et, et voilà, vous êtes là coïncidence, Donc, euh, on a pris le temps de regarder votre euh, premier match. D'accord. Donc, euh, tout le monde me demandait euh, si c'était l'équipe de France qui jouait. <laughs> <laughs> l'équipe, ils voulaient savoir. Donc, bien. ils étaient curieux. Mais moi, ça m'a permis de, de voir euh, votre ligue parce que, en réalité, on n'a pas souvent l'occasion de, de croiser d'autres handballeurs. Donc, oui. euh, je trouve que c'est bien pour, euh, pour cette famille de handball, des fois, de se croiser à la Maison du Han. Du coup, la Maison du Han, c'est vraiment un beau lieu pour ça parce qu'on peut croiser d'autres euh, joueurs, d'autres équipes, euh, d'autres euh, catégories, en fait, on va dire, puisque, puisque là, c'est euh, une équipe, euh, bon, même si je suis avec l'équipe d'Elverum, on a l'habitude de venir avec l'équipe nationale, oui. et là, on croise un club, c'est un peu rare. Donc euh, c'est bien. Oui, pour nous, c'est une grande chance. Justement, tu as passé les équipes de jeunes à, à Ivry. Tu as vu cette évolution du sport féminin. Qu'est-ce que tu penses du sport féminin aujourd'hui et peut-être en particulier du handball féminin Est-ce que tu as vu une évolution du sport durant toutes ces années de pratique Bien sûr, on voit le niveau augmenter. Hein. Ben, c'est euh, bien et euh, moi, j'ai l'impression que ben, quand je regardais jouer, que beaucoup de filles sont très techniques et qu'elles touchent bien le ballon et, euh, et du coup, ça fait plaisir. Euh, je ne pourrais pas comparer à avant, entre avant et maintenant en réalité, mais euh, aujourd'hui je trouve que les joueuses euh, sont techniques. Je ne veux pas dire qu'avant elles ne pas, je ne veux que ces personnes. Hein. Mais, euh, mais du coup, c'est agréable à regarder jouer. Et euh, j'espère que le, le niveau continuera d'augmenter pour les filles comme pour les, les garçons. Et après, au-delà du, du fait de se mettre la pression euh, sur, euh, sur euh, l'évolution de notre sport. Euh, je pense qu'il faut qu'on qu continue à prendre plaisir parce que dans cette période de Covid, on se rend compte que, que ben, c'est bien la vie en fait et euh, qu'il y a bien plein de belles choses qu'on qu aime faire. Euh, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est une période difficile et on se remémore les bons moments. Ouais, donc euh, donc aujourd'hui, euh, je pense que le plus important pour, euh, pour tous les licenciés, les handballeurs euh, qui jouent au haut niveau comme au, au bas niveau, c'est de. de de prendre du plaisir dans ce qu'ils font et s'ils sont en bonne santé, euh, de profiter de ça en fait. Luc, une dernière question. Cette année, ça a été une année un petit peu particulière puisque, hein, on a prévu une, un arrêt, euh, du moins euh, peut-être une fin euh, en 2020 et puis euh, on reprend une pige, le verrou me contacte. Toujours autant de plaisir sur le terrain, Luc Ouais, un peu moins, mais je pense que c'est à cause de la période Covid en fait. D'accord. Mais sinon, euh, toucher le ballon, c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des moments durs aussi. Euh... En fait, les, même si euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'essayais de passer ce message, il y a eu des moments où on se dit euh, on est fatigué de oui, beaucoup voyager. Et donc, du coup, euh, d'enchaîner les matchs, en réalité, euh, des fois, on a l'impression de ne plus prendre ce plaisir. Donc, c'est difficile de prendre plaisir euh, quand on joue tous les trois jours. Et, euh, et des fois, euh, quand, on, quand on est en bonne santé et qu'on est en forme, on le prend ce plaisir. Euh, ce qui est dur, en fait, euh, c'est d'être fatigué. Je pense. Euh, donc. Euh, quand je suis en forme, je prends du plaisir, même si c'est des matchs qu'on perd avec le club d'Elverum, parce que des fois on perd, hein. enfin on est la petite équipe dans cette poule de Ligue des Champions. Mais, euh, mais quand on est en forme et que ça court, je prends du plaisir. Alors est-ce que l'équipe est en forme pour jouer face à Paris Donc, Paris, c'est toujours un rendez-vous particulier. C'est le deuxième Paris que tu fais face à eux, puisque le premier match c'est au mois d'octobre. Ça s'annonce bien. Bah là on a on a beaucoup voyagé pareil il y a des joueurs qui n'ont pas vu euh, leur famille depuis un moment donc euh, va falloir euh, va falloir surmonter un peu ce, on va dire ce coup de mou euh, psychologique et euh, donc euh, j'espère qu'on sera en forme euh, psychologiquement surtout pour le match. Très bien. On va te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuation dans le championnat norvégien, puisque vous êtes en tête, et puis une bonne continuation dans cette Coupe d'Europe. Et ça fait toujours plaisir de revoir un, un Luc Aballo sur le terrain. Merci beaucoup, merci pour beaucoup. cette disponibilité merci. pour tous les supporters de l'ATH. Merci. merci. merci.